Maintenant, j'aimerais t'inviter à faire une chose, c'est de souhaiter la bienvenue à celui ou celle qui est à côté de toi. Que lui soit là où le ou la bienvenue. Alléluia. C'est important. Je sais qu'il y a Covid, mais que lui soit la bienvenue, soit le bienvenu. Que Jésus-Christ t'accueille ce soir. Amen. Et ce soir, nous sommes là à ce temps de louange et d'adoration. Mais en même temps, nous aimerions rendre grâce à Dieu pour la vie d'un frère. Il a vécu parmi nous. Il a été là, étant chant de l'Éternel. Il a loué Dieu jusqu'à rejoindre le Père. Et ce soir, nous recevons glorifier Dieu sans pour autant rendre grâce au Seigneur pour sa vie. De ce que sa vie a été. Et c'est pourquoi je vais tout simplement t'inviter à te lever. Et nous allons juste prendre quelques 30 secondes de silence. Amen. Et ce frère se nomme Sega Bass. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Thank you.
Est-ce que vous ressentez la joie que je ressens dans mon cœur en ce moment? Si tu ressens la joie de Jésus-Christ à Nazareth, lève la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore chaque pas que vous avez posé pour venir ici. Et qu'il vous le rende en place. Dites amen. Dites amen encore. Alors ce soir, j'aimerais parler à toutes ces personnes qui ont souffert dans le silence de leur cœur. Ces personnes qui ne savaient où se confier. Qui ne savaient vers qui aller pour se confier. Ce soir, j'aimerais que ces personnes puissent savoir que Dieu est là pour vous. Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu est là pour vous. Peu importe les circonstances, Dieu sera toujours là. Alléluia.
Tu es grâce.
Thank you.
après la lumière.